Encerclé par la Chambronne, le campus universitaire de Lausanne est un endroit où la nature s'épanouit discrètement. Ce sont près de 14 000 personnes qui cohabitent sur le complexe. Composé de 20 bâtiments différents, l'UNIL accueille de nombreux géologues, biologistes et chimistes à la pointe de leurs domaines respectifs. À première vue, on pourrait croire que la construction de nouveaux bâtiments presque chaque année empêcherait la nature de s'installer durablement ici. Pourtant, si l'on prend le temps d'aller voir les zones où le béton est encore absent, on peut se retrouver face à de belles surprises. À quelques pas de l'agitation urbaine, une biodiversité étonnante parvient à résister à la pression de la ville. Les parcelles de forêt encore présentes sont le refuge d'une faune riche et variée, comme ce vieil arbre mort avec sa ruche sauvage, composée de milliers d'abeilles. Les zones humides autour de la Chambronne accueillent une multitude d'organismes. Les plus connus sont certainement les amphibiens, comme cette grenouille verte. Elle partage son écosystème avec une myriade d'espèces possédant chacune leur propre stratégie de survie. Ces insectes ancestraux ont besoin de ces points d'eau, car elles vivent une partie de leur vie sous forme de larves prédatrices. Les libellules ne sont de loin pas les seuls prédateurs présents sur le campus. Même si l'on se trouve près de la ville, c'est tout de même la loi de la jungle qui règne ici. Manger ou être mangé. Ce rat l'a bien compris, et reste discret car il sait qu'il est la convoitise de nombreux animaux. Voici le héron cendré, un prédateur redoutable. Autant dans l'eau que sur terre, sa technique de chasse à l'affût est d'une efficacité formidable. La Chambronne abrite des vérons qu'on voit ici et des truites fario. Cette dernière espèce est séparée en deux morphes. Le morphe des rivières qui reste toute l'année dans les ruisseaux et le morphe lacustre qui se nourrit dans le lac Léman. Une fois dans l'année, elles remontent les rivières afin de pondre leurs œufs à l'abri des dangers. Leur cycle de vie s'alterne dans deux milieux très différents. Leur existence dépend donc de la bonne connexion entre le lac et la rivière, mais aussi d'une bonne qualité de l'eau. Elles doivent mobiliser énormément d'énergie pour lutter contre le courant et remonter les rapides. Comme on le voit, elles prennent beaucoup de risques, mais dans un but bien précis. Donner un maximum de chances de survie à leurs descendants. La truite doit être capable de pondre des milliers d'œufs, car seul un faible pourcentage de ses jeunes survivront et parviendront à rejoindre le lac vivant. Leur périple est extrêmement stressant et certains individus adultes meurent également. En plus des difficultés naturelles de ce voyage, les truites doivent faire face à l'aménagement urbain sur plusieurs parties de la rivière. Par exemple, ici sur la Mèbre, le lit de rivière lisse et une trajectoire rectiligne causent une accélération conséquente de la vitesse de l'eau. La Mèbre n'accueille plus aucune truite lacustre car leur remontée est bloquée à ce niveau. En plus de la pollution et de la canalisation de la rivière, l'espèce est souvent confrontée à un problème encore plus radical, les barrages. Les truites sont capables de sauter, mais parfois les obstacles sont simplement trop hauts et la migration est alors stoppée. Les poissons stagnent sous ces aménagements artificiels sans aucun espoir de trouver une place adéquate où déposer leurs œufs. Cette espèce sensible figure sur la liste rouge des espèces menacées. En revanche, le résultat de plusieurs expériences démontre qu'en lui donnant l'opportunité, la truite lacustre conquiert volontiers de nouveaux territoires.
On pourrait croire que ces images viennent tout droit du Canada et pourtant non. C'est bel et bien sur le campus de l'UNIL que plusieurs familles de castors ont élu domicile. Exterminée de Suisse puis réintroduite, cette espèce effectue un retour progressif dans nos cours d'eau. Ils creusent des terriers sous les berges où ils vivent en famille durant toute l'année. L'entrée de la tanière est généralement sous la surface de l'eau et ils ne construisent pas de hutte en bois, ce qui les rend plus difficiles à observer. En hiver, quand la nourriture se fait plus rare, il peut abattre des arbres de plusieurs dizaines de mètres pour en prélever l'écorce. Les individus se reconnaissent principalement grâce à leur sens olfactif très développé. Celui-ci leur permet d'avoir une vie sociale d'une surprenante complexité. Bien qu'aujourd'hui sur la liste rouge des espèces menacées, le castor est tout de même un bel exemple d'une réintroduction réussie en Suisse. La forte présence d'activités humaines les pousse à adopter un comportement nocturne car ce sont des animaux très craintifs. Malgré la proximité immédiate du monde urbain, la rivière et ses abords ont su garder une âme sauvage. La présence ou l'absence d'espèces est la preuve que la nature est à la fois fragile, mais aussi capable de redisposer rapidement des espaces qu'on lui restitue. Le delta de la Chambrenne réserve encore des spectacles surprenants. Durant les chaudes soirées de fin juin, des milliers de lucioles se regroupent dans les sous-bois pour effectuer des bals enchanteurs. Ce phénomène à couper le souffle est à l'image de la rivière, mystérieux et fascinant.